Manéa, je l'ai vue naître. J'ai accueilli ses premiers pas. J'ai eu l'occasion de l'amener en classe, à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège. Et j'ai eu le privilège aussi de l'installer à Lille. Je l'ai laissé là, séparé de sa famille, dans un climat qui était différent. Il a su surmonter ses sentiments de solitude, se faire de bons amis et surtout avoir sa vie illuminée par la rencontre qu'il a faite avec Justine. Tous les deux, ils ont formé un couple qui, je crois, a toute chance de réussir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Hier, tu m'exprimais à quel point tu voulais être à la hauteur pour l'écriture de tes mots. Si dans ce bar lillois, en 2014, je n'aurais pas imaginé t'organiser un mariage surprise, j'ai par contre tout de suite su que tu allais être le père de mes enfants. Tu es la personne la plus exceptionnelle que je connaisse. Je n'ai jamais pu te le dire avant, car c'est toujours un moment difficile à évoquer pour moi. Et je te remercie de t'être battue envers et contre tous, ce 28 février, pour que je puisse faire le trajet Montréal-Paris, le plus important de ma vie. Dans la peur et l'angoisse de perdre l'homme qui fait qui je suis, j'ai découvert la force et le soutien de celui avec qui je veux faire ma vie. h 56, c'est le temps que j'ai eu déjà pour écrire ces vœux, mais aussi pour essayer de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Et je voudrais prendre 2 minutes, en fait, si tu m'autorises, mon amour, pour parler de quelqu'un d'autre. Je voudrais parler d'une autre femme. Une femme qui a été là pour moi, pour ma sœur, pour mon frère, pour ma mère. Une femme qui a un cœur gigantesque, un amour illimité, un courage illimité, et une femme que j'admire. C'est toi, grand-maman. Je t'admire tellement qu'en fait, j'arrête pas de le dire, mais si moi dans ma vie, j'arrive à faire ne serait-ce que 30% de ce que toi t'as fait dans la tienne, je considère que j'aurais réussi ma vie. Ma chérie, t'es quelqu'un d'incroyable, t'es quelqu'un que j'admire aussi, t'es quelqu'un avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie. T'as pas besoin de moi pour faire des choses grandes, t'as pas besoin de moi pour aller loin, mais moi ce que je te promets devant tout le monde là, c'est que je serai toujours là pour t'aider, je serai toujours là pour te supporter, et je crois que je peux le dire pour la première fois aujourd'hui, si jamais j'arrive à faire 30% de ce que toi tu fais dans ton quotidien, j'aurais vraiment réussi ma vie.